qui est Santiago Hidalgo? Il est un ami, mais bon, c'est secondaire à ce qui se passe présentement. Il est le directeur du laboratoire Ciné-Média et il est professeur associé au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Et voilà ton clicker, et je te laisse la parole. Premièrement, je veux m'excuser, je suis un peu malade. Alors, André se plaint tout le temps que j'ai une voix caverneuse. Personne ne peut apparemment attendre quand je parle dans une salle où il n'y a pas de bonne acoustique. Alors, si vous avez la misère de m'attendre, juste levez vos mains puis posez la question. Je ne suis pas francophone non plus d'origine, alors j'ai la misère avec des termes qui sont multisyllabiques. Alors, quand j'arrive à ces termes qui sont un peu longs, comme le titre de Marie-Josée Hébert, alors je vais essayer d'aller un peu plus lentement. Alors, bonjour à l'imitation de Marie-Josée. Comment je vais commencer mon... À l'invitation de Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, et Julie Carrier, vice-rectrice associée, notre laboratoire, le laboratoire Cinémédia, a participé à l'élaboration de cette journée. Je peux vous confirmer que ce n'était pas une journée qui avait une forme ou une thématique prédéterminée. Plusieurs facteurs ont eu une influence sur la thématique. À l'origine, comme Julie l'a expliqué, il y a eu une discussion au mois de novembre entre André et les détenteurs du prix Quilam, provenant d'autres champs de recherche, où ils se sont rendus compte que la notion de rythme était une notion partagée dans plusieurs champs de recherche. André et Vladimir vont sûrement revenir là-dessus. Mais je voulais donner une autre perspective en tant que notre laboratoire et pourquoi ça nous intéresse ces journées. Parce qu'en parallèle, ça fait plusieurs années que notre laboratoire travaille sur le développement et l'élaboration d'un projet intersectoriel qui inclut une composante rythme. Cela a abouti à une collaboration entre notre laboratoire et le laboratoire NED à l'hôpital Sainte-Justine pour étudier l'impact du rythme audiovisuel et surtout l'intensification du rythme audiovisuel sur des enfants. Les étoiles se sont alors alignées pour notre laboratoire pour que notre journée aujourd'hui porte sur la notion de rythme comme notion potentiellement partagée et nous permettant de souligner la dimension intersectorielle. Nous avons par la suite ajouté le sous-titre « Rythme perçu, rythme non perçu » parce qu'originalement, la thématique de la journée était sur le rythme, mais après, on a décidé de donner une orientation à cette journée pour voir à quel point on pouvait voir rythme de différentes perspectives et souligner ces différences. Alors, pour orienter nos discussions, on a ajouté le sous-titre « Rythme perçu, rythme non perçu », car il nous semble que le rythme a un aspect objectif et perceptible, le rythme de la musique par exemple, et un aspect potentiellement moins perceptible, par exemple le rythme circadien. Prenons l'exemple qui a déclenché mes propres réflexions sur le rythme. J'écoute beaucoup la télévision avec mes enfants, c'est normal pour ceux qui ont des enfants, de s'asseoir avec eux autres pour voir des émissions, ce qui nous amène à réfléchir un peu sur l'impact de ces contenus sur nos enfants. Alors, ce qui m'a amené à développer un projet autour de cette notion, en voyant ce type de contenu avec mes enfants. L'extrait ici est tiré d'une série assez connue intitulée « La petite maison de la prairie ». Remarquons le nombre d'éléments qui sont susceptibles d'être décrits à partir de la notion de rythme. Premièrement, j'attire votre attention sur le rythme de l'image. Nous définirons ce rythme comme lent ou doux. Tous les composants de l'image sont choisis pour construire une impression de lenteur. Ce n'est pas un seul élément qui le construit. La lenteur de la caméra,
les gros plans sur des visages sereins, les mouvements des acteurs. Ces éléments sont difficiles à quantifier, mais leur accumulation mène à un rythme audiovisuel lent. Comparons tout cela à un film plus récent. Où tous les éléments fonctionnent dans le sens opposé pour créer un rythme accéléré. Toutefois, nous pouvons aussi nous concentrer sur une question objective et quantifiable, le nombre de plans par minute, par exemple. Disons que nous déterminons ceci. Dans cet extrait, il y a 5 coupes par minute, pas cet extrait, mais celui qu'on vient de voir avant avec la petite maison de la prairie. Il y a 5 coupes par minute, et que dans un autre extrait, il y en a 30. Nous pouvons alors quantifier et comparer le rythme en fonction de cet unique élément, comme un battement de cœur. Le premier extrait bat 5 fois par minute, et l'autre 30 fois. Finalement, nous avons tendance à parler de notre vie en nous penchant sur la métaphore du rythme. Un rythme qui n'est pas lié à une considération quantitative. C'est une impression, et cette impression est ancrée dans le langage qu'on utilise pour le décrire. Dans son œuvre « Les grandes villes et la vie de l'esprit » de 1905, le sociologue Georges Simmel met justement de l'avant cette notion de rythme quand il compare la ville et la campagne. Je cite « La base psychologique sur laquelle repose le type des individus habitant la grande ville est l'intensification de la vie nerveuse qui résulte du changement rapide et ininterrompu des impressions externes et internes. La grande ville crée justement ces conditions psychologiques à chaque sortie dans la rue avec le rythme et la diversité de la vie sociale, professionnelle, économique. Une profonde opposition avec la petite ville et la vie à la campagne, dont le modèle de vie sensible et spirituel a un rythme plus lent, plus habituel et qui s'écoule d'une façon régulière. Simmel utilise une métaphore bien connue. Il décrit la vie en campagne comme ayant un rythme plus lent que celui en ville. Mais il mentionne aussi les changements de rythme physiologique et psychologique qui se développent en réponse de cette intensification. On dit aussi du développement des enfants, chaque enfant est différent, chacun a son rythme, ce qui se réfère à un ensemble de facteurs liés à la personnalité, la génétique, le comportement. La notion de rythme nous sert à souligner l'importance de respecter ce qui est unique dans chaque personne. Et dans ce contexte, la notion a une fonction normative. Elle établit une philosophie, une façon d'apprécier les différences entre les gens qui est difficile à résumer selon une seule traite ou critère. L'extrait de la petite maison de la prairie met ainsi de l'avant une grande variété de ce qui englobe la notion de rythme, à la fois un aspect objectif et quantitatif, comme le montage, un aspect plutôt qualitatif qui découle de l'ensemble d'éléments qui opèrent conjointement, comme le mouvement des caméras, les expressions des personnages et le son, et finalement, le monde représenté, ancré dans les expressions et les métaphores qui appartiennent à notre langage et qui guide notre compréhension de la réalité. Je voulais surtout vous montrer à quel point la notion est inscrite dans un univers social, scientifique, artistique, objectif et subjectif qui nous permet d'ouvrir un dialogue sur l'intersectorialité. Notre laboratoire vous souhaite aujourd'hui une rencontre intéressante et stimulante qui continuera de développer nos réflexions autour de cette thématique et de la recherche intersectorielle et qui permettra de trouver des liens entre notre champ respectif. Merci.